Meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Gäste, das ist ein wirklich fantastischer Blick, den man von hier oben aus hat. Ich erinnere mich an das letzte Jahr, an ein fröhliches Fest für Europa. Ich glaube, es sind diesmal noch viel mehr da. Und die Stimmung ist gut, das Wetter hält. Herzlich willkommen hinein. Gestern in Berlin, heute in Dresden, morgen in Münster. Wir feiern in diesen Tagen die deutsch-französische Freundschaft und wir feiern Europa nur wenige Tage vor den Wahlen zum Europäischen Parlament am 9. Juni. Ein wichtiger Tag, meine Damen und Herren. Und ich bin ganz sicher, einen besseren Fürsprecher Europas als unseren heutigen Gast, den kann man sich auf dieser Bühne nicht vorstellen. Hier in Dresden, hier im Osten Deutschlands, hier in der Mitte Europas. Und Europa braucht Fürsprache in diesen Zeiten, in einem Europa, das lange ein friedliches Europa war, fällt das Feiern nicht mehr ganz so einfach. Und deshalb müssen wir uns erinnern, Europa ist nicht aus Zweifeln und Ängstlichkeit entstanden. Europa ist das Ergebnis von Mut und Zuversicht. Und die müssen wir auch jetzt zeigen, meine Damen und Herren. Generationen haben daran gearbeitet, dass dieser Kontinent ein Kontinent von Freiheit und Demokratie wird. Es liegt an uns, unsere Generationen heute, diese Arbeit fortzusetzen. Und deshalb bin ich mir ganz sicher, wir werden die Demokratie in Deutschland verteidigen und wir werden dieses freie, demokratische Europa verteidigen, miteinander und zusammen. Europa lebt, wenn die Menschen es wollen und auch wenn sie in zwei Wochen am 9. Juni wählen gehen. Und liebe Freunde, meine Damen und Herren, liebe jugendliche Gäste aus nah und fern, ich stand schon im letzten Jahr hier vor Ihnen auf diesem wunderschönen Platz, vor dieser wirklich beeindruckenden Kulisse, als wir damals den Besuch unseres Gastes noch verschieben mussten. Aber ich habe Ihnen versprochen, wir werden das nachholen. Et voilà, je vous présente, Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron, vous avez la parole. Ça viendra, mais dans quelques semaines. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, lieber von Wetter, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Michael Kretschmer, meine Damen und Herren, liebe europäische Jugend, es ist mir eine Freude, hier bei Ihnen zu sein. Hier auf dem Neumarkt. Vielleicht sollte ich sagen, es ist mir eine Freude, endlich hier zu sein. Nachdem ich unser Treffen letztes Jahr leider absagen musste. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Ich bedanke mich herzlich bei Michael Kretschmer, dieses Europafest erneut zu organisieren. Ich bedanke mich ebenfalls bei Frank-Walter Steinmeier, der mich nach Dresden begleitet hat. Frank-Walter, du warst bereits letztes Jahr hier. Heute sind wir gemeinsam in Dresden. Meine erste persönliche Erfahrung mit Deutschland war in der französischen Schule. Ich lernte die deutsche Sprache und Kultur und tue das immer noch. Ich tue mein Bestes, glauben Sie mir. Ich machte erste Reisen nach Deutschland und tue das immer noch. So nahm ich zum Beispiel an einem Austausch zwischen Amiens und Dortmund teil. Ich entdeckte Irland, das damals noch durch die Mauer geteilt war. Als François Mitterrand einige Wochen nach dem Fall der Mauer hierher gekommen war, gab es noch die DDR. Heute, als erster französischer Präsident seit der Wiedervereinigung hier in Dresden vor Ihnen zu sprechen, ehrt mich daher ganz besonders. Es berührt mich sehr. Es ist eine Ehre für mich als Franzose und Freund von Deutschland, aber auch für mich als überzeugter Europäer. Et pourtant, que de chemin parcouru depuis tant d'années ensemble entre l'Allemagne et la France, nous, comme Européens. Aujourd'hui, ici présents, que nous venions de Varsovie ou de Prague, de Weimar ou de Görlitz, nous sommes tous partie prenante de ce projet politique unique au monde, l'Union européenne. Ville jumelle de Strasbourg, capitale européenne, est en quelque sorte la métaphore de ce projet. Ville ravagée par la guerre, dont la Frauenkirche, cette église bombardée en 1945, puis reconstruite en 2005, dresse vers le ciel un message d'espoir. Dresde, devenue tout entière, phénix et leçon d'espoir, une ville d'histoire qui a su se projeter vers l'avenir et prendre le virage des trains. Dresde, qui a vibré la première à chaque inflexion du siècle, des mouvements de dissidence en RDA, à l'appel à l'unité allemande lancé par Helmut Kohl en 1989, devant cette même Frauenkirche alors en ruine, Dresde et la Saxonie, qui a su prendre le défi du siècle qui va de l'innovation, cette Silicon Saxonie aujourd'hui inventée. Merci aujourd'hui de nous accueillir. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de notre Europe, de notre avenir. Quelques semaines avant le 9 juin, où les citoyens partout en Europe auront à aller voter, se prononcer pour choisir un destin. Et le faire aujourd'hui parce que je suis profondément convaincu que sans doute plus que jamais, nous avons à choisir l'avenir de notre continent. Oui, plus que jamais parce que l'Europe vit un moment décisif. Et je le disais à la Sorbonne il y a quelques semaines, notre Europe peut mourir si elle prend les mauvaises décisions. Parce que le continent européen qui est le nôtre, cette aventure politique
inédite qui est la nôtre. C'est une histoire de paix, de prospérité et de démocratie. Et aujourd'hui, en Europe, notre paix, notre prospérité, nos démocraties sont menacées si nous ne savons pas réagir, si nous ne savons pas prendre les bonnes décisions. Et c'est là, oui, où l'Allemagne et la France ensemble, mais tous les Européens, ont une responsabilité inédite pour nous-mêmes et pour les générations à venir. La paix d'abord, Frieden. Europa ist ein Garant für Frieden. Für viele von uns klang dieses Argument lange Zeit als überholt, ein Zeichen für den Erfolg unserer Bemühungen. Doch heute herrscht wieder Krieg in Europa. Oui, la guerre est revenue en Europe. Depuis la guerre d'agression lancée par la Russie contre l'Ukraine. En attaquant l'Ukraine, la Russie a attaqué les principes de la Charte des Nations Unies. En attaquant l'Ukraine, la Russie a décidé de menacer la sécurité de notre continent tout entier. Et je le dis, dans un endroit de l'Europe qui a vécu au fond une toute autre deuxième moitié de XXe siècle que mon pays. Parce que nous avions en quelque sorte abandonné cette partie de l'Europe à un rideau de fer qui soudain tomba, divisant notre continent en deux. Je parle ici avec beaucoup d'humilité à une partie de l'Europe qui a connu la domination de l'Union soviétique qui a bâti son propre chemin. Je parle ici, dans une partie de l'Europe qui a retrouvé l'unité allemande, mais qui nous a ce faisant permis de bâtir non pas un élargissement de l'Europe, non, mais qui a juste permis à l'Europe de se retrouver comme elle aurait dû toujours être, unie. Je ne parle pas à l'est de l'Europe, j'en parle en son centre, en vous parlant ici, à Dresde. Bravo. Et oui, je vous le dis, la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine est évidemment d'abord une guerre qui touche nos amis ukrainiens, leur souveraineté, leur intégrité territoriale. Et je veux ici saluer leur courage, la bravoure avec laquelle ils défendent leur sol, leur peuple. Depuis maintenant 10 ans, et plus encore, depuis un peu plus de 2 ans. Nous pouvons ici les applaudir. Mais se joue en Ukraine notre capacité à être en sécurité en Europe. Quelle paix, quelle sécurité en Europe si nous laissons la loi du plus fort l'emporter sur notre continent. Quelle paix, quelle sécurité en Allemagne, en France, en Pologne, en Lituanie, en Roumanie, si la loi du plus fort prévaut en Ukraine. Quelle paix, quelle sécurité si la Charte des Nations Unies et foulée aux pieds à quelques centaines de kilomètres d'ici. Aucune. Alors je vous le dis, oui, en Ukraine, c'est bien notre sécurité, notre paix qui se joue. C'est pourquoi je suis si fier que, Européens, depuis le premier jour, nous ayons été unis. Européens, depuis le premier jour, nous avons décidé des sanctions contre la Russie pour empêcher son effort de guerre. Européens, dès les premiers jours, nous avons décidé de soutenir l'Ukraine.
nous avons décidé ensemble, en Européens, de lui ouvrir les bras, celle de la candidature à l'accession à notre Union. Et ensemble, en Européens, aujourd'hui et demain, nous continuerons aussi longtemps et autant qu'il le faudra pour aider l'Ukraine à se défendre, à protéger son sol et à défendre notre sécurité. Mais je le dis ici avec la même force. Nous, Européens, nous ne faisons pas la guerre à la Russie ou au peuple russe. Non. Mais nous n'acceptons pas la dérive d'un pouvoir autoritaire, révisionniste, qui a décidé de jouer avec l'avenir de l'Europe pour bâtir des rêves d'empire, divertir son peuple, nous ramener dans les pires moments du XXe siècle. Non, nous ne faisons pas la guerre à la Russie et à son peuple. Nous, Européens, nous voulons la paix, une paix durable, c'est-à-dire la paix que les Ukrainiens, parce que nous leur aurons permis de se défendre, auront choisi et négocié. Une paix respectueuse de leur souveraineté, une paix respectueuse du droit international, une paix choisie et durable. La paix n'est pas la capitulation de l'Ukraine. La paix est celle que les Ukrainiens ont choisie. Nous, Européens, au-delà de l'aide à l'Ukraine, avons aujourd'hui un défi, bâtir une défense et une sécurité commune. Nous en avons beaucoup fait ces dernières années, plus qu'on ne croyait. Mais ce rêve de défense et de sécurité était aux prémices de notre Europe. Et je dois bien avouer avec beaucoup d'humilité, au mi-temps des années 50, c'est la France qui l'arrêta. Mais depuis tant de décennies, nous avons en quelque sorte, nous Européens, décidé de renvoyer la défense, la sécurité à chaque pays et parfois de la déléguer à d'autres grandes puissances, nos alliés, et en particulier nos alliés américains. Et je le dis ici avec une immense amitié, nous qui allons dans quelques jours recevoir nos alliés américains sur les plages de Normandie, pour fêter les 80 ans du débarquement. Oui, nous avons eu de la chance d'avoir durant ces décennies des alliés comme les États-Unis d'Amérique pour nous libérer et dans cette période en Ukraine, pour nous seconder, pour être à nos côtés, pour aider les Ukrainiens avec nous. Arrivons à un moment de notre histoire où, au fond, nous avons le droit, même le devoir, de nous dire quelle chance nous avons d'avoir ces alliés. Mais est-ce raisonnable de leur demander toujours davantage d'efforts quand il faut bien le voir aussi, leurs priorités sont parfois ailleurs. Nous sommes sur un continent que nous partageons, et la géographie nous ne la change même pas, avec la Russie qui aujourd'hui menace notre sécurité et a agressé l'Ukraine. Mais la Russie sera là demain, après-demain. Et donc oui, nous sommes à un moment inédit de notre histoire où nous devons penser notre défense et notre sécurité par nous-mêmes et pour nous-mêmes en tant qu'Européens. C'est-à-dire le faire comme alliés au sein de l'OTAN, le faire comme membres de l'Union européenne, mais nous dire aussi comme membres de la communauté politique européenne, nous avons notre histoire, notre géographie, et la vraie réunification de l'Europe sera une Europe qui sait penser son cadre commun de sécurité et de défense par elle-même et pour elle-même. C'est cela le défi des années qui viennent. Et donc il nous faudra, dès les prochains mois, en Européen, redéfinir ce cadre. Quels sont nos risques? Quels sont nos adversaires et nos ennemis? Quelle est la nature des risques et des menaces?
D'où peuvent-elles venir? La Russie? L'Iran? D'autres puissances? Comment tenir notre voisinage? Comment bâtir notre sécurité? Dans quel cadre? Nous devons bâtir ensemble un nouveau concept de sécurité commune. Et sur cette base, et sur cette base seulement, définir les capacités dont nous avons besoin, les projets communs à construire et les projets industriels, technologiques et d'innovation à construire ensemble en européen. Et arrêtons au fond sur cette question d'être parfois ou totalement transatlantique ou totalement nationaliste. Soyons résolument franco-allemands, soyons résolument européens. Ce cadre de sécurité, de défense et donc de paix commun, le faire en européen. Mais ce moment est le bon. Cette époque nouvelle, Monsieur le Président, que vous avez nommée, est celle qui doit nous permettre de le faire. Les concepts, la stratégie, les capacités militaires, les armements et les équipements, mais aussi l'énergie, la technologie, tout ce qui fait une Europe plus indépendante, plus souveraine, une Europe qui peut se défendre, se tenir elle-même, une Europe qui peut survivre face à toutes les menaces. C'est cela ce que nous devons bâtir maintenant. C'est cela l'Europe possible de la paix, de la sécurité commune. Et pour les plus jeunes qui sont là, c'est la prospérité. Vous savez, le rêve européen, ça a été celui d'un marché unique, où nous avons d'abord, entre Français, Allemands et d'autres nations de l'Europe, mis en commun ce par quoi nous nous faisions la guerre, le charbon et l'acier. Puis nous avons bâti un marché commun qui a permis une croissance inédite. L'Europe est un rêve de prospérité qui a permis de bâtir la croissance, mais aussi le modèle social le plus généreux du monde. C'est ça notre Europe. C'est ce qui fait sa force. C'est ce qui nous tient ensemble, ce qui a permis de bâtir cette Europe de la protection, de la culture, de l'avenir. Cette Europe de l'Erasmus, de l'éducation, parce qu'il y a un modèle de prospérité qui a tenu. Et là aussi, soyons lucides. Regardons les trois dernières décennies. Quand on compare les États-Unis d'Amérique et l'Europe, la valeur ajoutée par habitant que nous avons créée est deux fois moins importante que celle créée aux États-Unis d'Amérique. Deux fois moins importante. Et donc le risque qui est le nôtre est tout simplement que nous ne sachions plus créer notre croissance. Et sans croissance, plus de modèle social. Et dans un continent qui vieillit, qui a ce modèle-là, c'est la crise assurée. Et c'est la crise de la prospérité européenne qui nourrit tant d'angoisses, tant de divisions, tant de déchirements, qui parfois fait monter les extrêmes. Et notre Europe qui s'est tant concentrée sur la compétitivité qui parfois divise, qui a tant fait, mais qui a aussi été, il faut bien le dire, trop lente à régler la crise financière, a aujourd'hui un problème de modèle de croissance. Alors oui, je le dis aujourd'hui à Dresde, notre Europe doit rebâtir, ou plutôt bâtir, un nouveau paradigme de croissance pour les générations à venir. Et ce modèle de croissance, ça n'est pas choisi entre eux. La croissance économique et la décarbonation, ou plutôt le climat. Certains voudraient, au fond, poser aujourd'hui cette opposition. Non, ce serait une erreur terrible. Et je vous le dis, ma spécialité, c'est connu pour les Français qui sont là, c'est le « en même temps ».
Et le « en même temps » n'est pas une ambiguïté, ça n'est pas un mauvais compromis. C'est le fait de dire qu'il y a des choses parfois qu'on oppose artificiellement qui, quand on les réconcilie, permettent de bâtir un chemin de progrès. Eh bien oui, ce nouveau modèle de croissance européen, c'est un modèle qui assume totalement des investissements massifs dans le climat et la décarbonation de nos économies. C'est ce qu'il nous faut faire aujourd'hui, plus vite et plus fort. Nous avons bâti le Green Deal en Europe. C'est la bonne régulation. Il ne faut pas réguler davantage, mettre plus de règles. Il faut plutôt simplifier. Parce que nous avons face à nous les Américains, les Chinois, qui eux investissent sans mettre de règles. Mais nous, maintenant, il faut investir beaucoup plus d'argent public et d'argent privé. L'investir dans la décarbonation de nos économies, dans une énergie plus propre, renouvelable comme nucléaire, comme surtout préservation et efficacité énergétique. Il nous faut investir pour décarboner nos transports, nos villes, nos habitations. Il nous faut investir pour croître, inventer ces technologies vertes qui sont l'avenir de notre continent. Et le faire à un moment où la Chine et les États-Unis investissent massivement et sont en train d'attirer ces opportunités à elles. Opportunités qui, si nous ne nous réveillons pas, partiront ailleurs. Donc oui, à un plan d'investissement massif dans les technologies vertes et l'industrie verte en Europe. Le deuxième pilier, c'est une Europe de l'innovation, de l'intelligence artificielle. On a besoin d'investir beaucoup plus dans notre recherche, notre innovation. Nous sommes encore loin des 3% de l'agenda de Lisbonne. Je le dis dans un pays qui est l'un des meilleurs d'Europe, avec beaucoup d'humilité. Nous, Français, nous n'investissons pas assez, nous sommes en train de rattraper, et nous l'avons quasiment fait, la part publique. Nous n'investissons pas assez dans notre recherche sur le plan des financements privés. Mais partout en Europe, nous devons accélérer l'investissement dans la recherche, l'innovation, et en particulier dans l'intelligence artificielle et le quantique. Et je le dis, dans cette Silicon Saxony, nous venons de signer un accord entre le commissariat à l'énergie atomique et votre Fraunhofer, c'est l'enjeu, l'un des enjeux principaux pour notre Europe. La croissance européenne passera par l'intelligence artificielle, l'innovation, la recherche, des investissements massifs pour bâtir notre avenir. Alors allons-y, avec force et ambition, en européen. Le troisième axe, c'est une Europe qui doit simplifier ses règles. La France a du travail à faire et nous devons continuer nos réformes. Et croyez-moi, nous n'avons pas arrêté ces 7 dernières années. Mais au niveau européen, nous devons être plus simples, souvent moins bureaucratiques, davantage accompagner nos entreprises plutôt que de les contraindre par des règles qui n'existent nulle part ailleurs. Et nous avons une chance, une force. C'est la taille de notre Europe. C'est 450 millions d'Européennes et d'Européens. Eh bien, nous avons aujourd'hui besoin d'aller plus loin pour notre marché unique, de le simplifier, de casser les barrières entre ces 27 économies qui existent dans tant de domaines et permettre dans les télécommunications, l'énergie, la finance et tant d'autres de bâtir enfin un vrai marché européen. Accélérons sur le marché unique. Simplifions l'Europe. C'est la troisième urgence pour ce modèle de croissance. Le quatrième pilier, c'est de sortir de la naïveté. C'est un réveil stratégique. L'Europe est le dernier endroit où nous sommes ouverts au reste du monde, sans préférence européenne, sans règles. Allez en Chine, allez aux États-Unis. Nous commerçons, nous voulons développer le commerce.
Mais il y a des préférences nationales. Alors je vous le dis, nous avons besoin d'avoir une stratégie européenne qui bâtisse une préférence européenne en matière de défense, en matière d'espace, qui bâtisse une stratégie d'achat européen et qui permette d'avoir des règles commerciales qui bâtissent des clauses miroirs, c'est-à-dire une juste concurrence. Pourquoi imposer des règles à nos entreprises et favoriser les entreprises non européennes en leur permettant d'importer des choses qui ne respectent pas ces mêmes règles ? Et donc il faut une Europe qui se protège mieux sur le plan commercial, sur le plan des règles. Une Europe plus stratégique et moins naïvement ouverte. Et puis enfin, le cinquième pilier de ce modèle de croissance, c'est l'investissement. Nous avons besoin de regarder l'avenir. Et quand je regarde les défis qui sont devant nous, défense et sécurité, climat, intelligence artificielle, jamais à l'échelle d'une génération, nous n'avons eu tant de défis à relever au même moment. Jamais à l'échelle d'une génération, nous n'avons eu au fond un tel mur d'investissement. Si nous voulons le relever, il nous faut beaucoup plus d'audace. Et il faut le faire maintenant, car c'est maintenant que les choix sont faits. C'est maintenant que nos concurrents stratégiques font ces choix. Et donc, il nous faut, en européen, et d'abord en franco-allemand, avoir beaucoup plus d'audace et porter beaucoup plus d'investissements publics communs en européen. Et donc, oui, je vous le dis, aujourd'hui, avec conviction et force, doublons notre budget européen, soit par la taille du budget, soit par des stratégies d'emprunt commun, soit par des instruments qui existent déjà. Deux fois plus d'investissements publics dans notre Europe ensemble. Et bâtissons ce marché commun des capitaux, de la finance et de l'investissement pour multiplier l'investissement privé. Il faut en Europe un choc d'investissement massif. Ce modèle de croissance européen nouveau repose sur ces cinq flèches, ces cinq axes. Mais au fond, c'est une ambition redoublée. Ne doutons pas, n'ayons pas peur de l'avenir. Il y a à inventer un nouveau modèle de prospérité. C'est maintenant, avec force, avec confiance dans notre avenir. Alors allons-y ensemble, en européen. La démocratie, enfin. La démocratie et la liberté. Alors, tout ça nous semblait si évident. Rappelez-vous, après la chute du mur, quand l'Europe enfin se réunissait, grâce à votre courage, quand nous nous retrouvions entre Européens, famille désunie pendant des décennies. La démocratie et la liberté étaient une évidence. Oui, partout en Europe, cela allait s'étendre. Ce vent allait souffler, il allait séduire partout, se répandre à travers le monde. Et regardons-nous aujourd'hui. Regardons autour de nous la fascination pour les régimes autoritaires. Regardons en Europe. Le moment illibéral que nous vivons, où beaucoup regardent et se disent finalement, à quelques kilomètres d'ici, finalement, prenons l'argent de l'Europe, mais oublions l'indépendance des juges. Prenons l'argent de l'Europe, mais oublions la liberté de la presse. Prenons l'argent de l'Europe, mais oublions la diversité de la culture. Prenons l'argent de l'Europe, mais oublions l'autonomie des universités et la liberté académique. Cette tendance n'est pas une tendance,
C'est une réalité en Hongrie. Cela a été une réalité jusqu'à l'élection formidable en Pologne. Et partout dans nos démocraties, ces idées prospèrent, poussées par les extrêmes et en particulier l'extrême droite. Ce vent mauvais souffle en Europe, c'est une réalité. Alors réveillons-nous. Notre Europe n'est pas un supermarché. Notre Europe n'est pas juste un endroit où se donnent des règles communes. C'est un socle de valeurs, de culture, de liberté individuelle et politique. C'est ce sédiment des siècles qui nous tient. Alors il nous faut retrouver la force, l'engagement, de le défendre partout et de le faire dans chaque pays face à ce vent mauvais et aux extrêmes. Ne soyons plus des habitués, soyons des engagés de l'idée européenne et de la démocratie. Face à ce vent mauvais, regardons d'où vient cette colère. Elle vient du ressentiment de beaucoup qui se sentent en marge du chemin de la mondialisation. D'un sentiment d'être humilié par ce qui s'est passé ces dernières années, de ne pas être compris dans les préoccupations qui sont les leurs, d'être bousculé dans leur mode de vie. Le sentiment d'être les laissés pour compte d'une Europe qui s'est ouverte au commerce, qui s'est libéralisée. Le sentiment aussi que la culture, les modes de vie auxquels ils ou elles étaient attachés et bousculés par une Europe qui ne serait que, au fond, un train d'homogénéisation, de simplification. Alors face à cela, il nous faut répondre par une Europe du respect, de la diversité, de la force culturelle. Cette Europe des universités que nous avons bâtie ces dernières années, 50 universités qui se sont mises en réseau et continuons, allons plus loin. Une Europe où, grâce à Erasmus, mais démultipliée, on apprend la culture des uns et des autres. Où le passe culture devient européen, où le chemin des écrivains passe d'un pays à l'autre. Où l'on se découvre mutuellement, loin des habitudes. Mais une Europe aussi qui bâtit en quelque sorte un humanisme 2.0. Parce que ce qui nous bouscule dans nos habitudes, dans nos démocraties, c'est le fait que nous sommes tous passés dans des sociétés où plusieurs heures par jour, nous vivons sur des écrans. Et cela nous a changé. Et nous n'en avons pas pensé les règles. Nous n'avons pas pensé que ça allait nous bousculer nos démocraties, nos façons d'être. Et dans ce monde des écrans, nos enfants ne sont plus formés pareil, ne ressentent plus pareil. Nos jeunes et nous-mêmes, en quelque sorte, nous n'avons plus la même forge des opinions publiques. Et donc, dans cette Europe des écrans, il nous faut repenser la protection de nos enfants et de nos adolescents. Un bon usage des écrans, un bon usage de l'apprentissage du monde par le numérique. Dans cette Europe des écrans, il nous faut aussi penser la forge de l'opinion publique. Comment les idées circulent et se forment. Aujourd'hui, elles se forment d'une manière simple, et je vais vous le dire. L'émotion négative vaut beaucoup plus que l'émotion positive. L'émotion positive vaut beaucoup plus que l'argument. Ce que je suis en train de faire dans l'Europe du numérique, si nous ne la pensons pas avec un humanisme contemporain, je n'ai aucune chance de résister. Avec des émotions négatives, j'ai beaucoup plus de chances d'être ovationné par une foule que par des arguments rationnels. C'est le risque de l'Europe que nous sommes en train de bâtir. Ce chemin est très difficile, mais c'est notre devoir. La deuxième chose, c'est que ces réseaux sociaux, ces écrans, ces plateformes, l'usage du monde, de la formation des idées, du débat démocratique dans lequel nous vivons,
nous enferme dans des bulles cognitives. Vous savez, ce sont ces groupes dans lesquels nous sommes, ceux qui nous suivent sur nos comptes. Et quel que soit le réseau social, c'est la discussion fermée à laquelle nous nous sommes habitués. Elle est dangereuse. Car ces bulles nous enferment dans des groupes de gens qui pensent simplement comme nous. C'est l'inverse de l'agora, de la place publique qui a fait la démocratie. Endroit où nous pouvons penser de manière différente, mais où nous débattons, où nous controversons. Le monde numérique dans lequel nous sommes en train d'habiter, c'est celui de groupes qui se parlent entre eux et se radicalisent, et où la tyrannie du plus extrême est celle qui emporte tout le reste du groupe. Alors je vous le dis avec force, le grand risque, c'est que le monde du numérique, des réseaux sociaux dans lequel nous vivons, qui forge nos démocraties, si nous n'en bâtissons pas les règles, si nous ne le faisons pas humaniste, comme nous l'avons fait à la Renaissance puis aux Lumières, ce monde-là sera celui de la tyrannie des extrêmes, des pièges identitaires, de la dislocation de nos démocraties et de notre Europe. Le réveil démocratique européen, c'est celui d'un humanisme numérique. Enfin, unsere beiden Länder stehen vor großen Herausforderungen, vor Veränderungen, die uns entstiegen. Klimawandel, Polarisierung der Gesellschaft, ein Erstarken der Extreme, wie der Krieg aus unserem Kontinent, Angriffe auf unsere Demokratie, auf unsere Werte, wirtschaftliche Veränderungen. Nichts scheint zu sein. Wir Franzosen stellen uns die gleichen Fragen wie die Deutschen. Bei all diesen Veränderungen gibt es aber eine Konstante, die deutsch-französische Freundschaft. Gemeinsam, nur gemeinsam, können wir diese Herausforderungen meistern. Deutschland kann auf Frankreich zählen. Frankreich zählt auf Deutschland. Europa kann auf uns zählen. Wir zählen auf Europa. Erlaub mir, lieber von Walter, dich zu zitieren. Das Grundgesetz ist keine Bilanz, sondern ein Auftrag. Es ist nicht das Ziel, sondern der Kompass. Ich möchte noch hinzufügen, unsere Demokratie, unser Europa ist keine Bilanz. Es ist ein Auftrag. Europa ist nicht das Ziel, sondern der Kompass. Europa zu schaffen, das ist eine beständige Aufgabe. Wir sind dessen fähig. Sie sind dessen fähig. Denn Sie sind die neue Generation, die das Europa von morgen errichten wird. Ich zähle auf Sie, genauso wie Sie auch auf mich zählen können. Ich zähle auf Sie, dass Europa seine eigene Stimme erhebt. Es ist die Stimme des Humanismus, der bekennende Macht in einer Welt der Unordnung, die Stimme der Solidarität mit den Schwerenden, die Stimme des Teilens und der Verantwortung.
gegenüber unseren Verbündeten. Ich zähle auf Sie, dass Humanismus weiter in unser Leibgarten bleibt. Er macht unser Europa zu einem Kontinent der Zivilisation und des Friedens. Ich zähle auf Sie, nicht der Versuchung der Spaltung und der Hegemonie zu erliegen, sondern sich für Freundschaft und Zusammenarbeit zu entscheiden. Ich zähle auf Sie, unsere Zukunft zu prägen. Ergreifen wir diese Chance gemeinsam. Stützen wir uns auf die Komplexität unserer Vergangenheit, auf die Komplementarität unserer Stärken. Stützen wir uns auf unsere enge Verbundenheit. Errichten wir ein mächtiges, ein souveränes und ein humanistisches Europa, ganz nach unseren Devisen. Einigkeit, Recht, Freiheit, Liberté, Egalité, Fraternité. Thank you.